صدق الله العظيم مرحبا بن جي مردونغا وهي سيد ان كما اردونا نوس مردونغا وارما زياباري زيكوني نموروني بل زبابا زباتangazo رمانبيا نيوكانا انغار جونرا و ارمشو انزا شامبورو شاونو مالوزي نباينا ينفستيتور بانو رزامبا و رئيس ازاليا سوماني حساكا انتكي رسمي بعد ساليا اعلامين لجمولة تويف الهزيوا يا بابا انغار جلونغا ديسكور ونرارو وما يجاني دسكرة دولة رئيس الدولة. كاو كريمي دومو ومغاري هنامو حتى التاريخي في بنسيمين ريلو بنسينا وريشو دي أولي ونو ريغاز دو أمانا زنمين كويزي ما رئيس واتوكو ما لا Waruma zenti, wananyasi, wanzani watu, mahuduri ya wa. Rangu ya Kongo, unde Gine Bissau, unde Madagascar, Angola, Mozambique, Ikao, izo ziwakili wale maraisi wazo. Nane zenti wasai, ikao wanzani watu waku. Shema kwa manao kwa atashita umuduriyama Shawa wakiliwa Na denti ya Maroko Denti ya Shii Denti ya Faransa Denti ya Kenya Hata azotipia azotipia wakikufu Kwezi Mabana matukufu Mawaziri Na mawakala Waheze zibani nabani mawasulimano Heze daraja za nyoti Kwezi raisi waende chengula mawakala na kumuhu Kwezi wanuzangu manotabu, mashababu, wanduwashu watukufu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Usikuwa leono, unusi kumashuru Unusi kikao Rikaone niya hizo mwafanya wa kumono wa mwezi wa janvye matungua raisi azali ya chende eti ya hatu mara ya saa na hizo kamzifanya kamjazifanya haudevi kamzifanya hizo raona yafanya walumeti ya hatu En 2016, Ramfout, il y a dit que il y a des mandats à jeter dans Ramfout en 2019. Raïssi Azali a réduit Fadiki et au moment où nous avons en 2030, les Comores y émergent. Je ne vois pas car il y en a au Kakoui, c'est à la massage. Au Kagari ou Nao, c'est infrastructure, c'est fini, par 20 ans. Et quand on a reçu pour Yao, à coup, le directeur ou à Hebad, ou à Louban, bah, quand on a fait un chasse, on a reçu des gens à Koumour Zahar. Après, on a fait un peu de temps, 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 on a fait un peu de temps. Je ne vois pas si je suis un peu plus de temps, je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Subhanallah. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis Aiono, esse par, ei fanya, ya mobilize matajiri, marumeti ya faranza pari, ili wasaidie kumono. Rione kovi, kwe haja, demi kusimu, 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 demi kusimu,
enamna yaikingia yaijere yamubilize ekomon sotipia nano ulimenu warisaidia ekomon yafuka nowane huo na tuko zangu zalelea mfano warume dunia rivono enamna yaripangia ekipe nationale ya sedakandi ya mpira yaonesa mtu za warume ya mwili kuna ulimenu Ariono, uka 2023-2024 anikwa kubura isi wahe jumuiya wazeti za Afrika huru. Izo zote pia izo kazi ya tojicha, chazicha, hee, siyasa njema, yowonte, ya ibadia, zicha, na ya kiliyahe, ya shida kuga na nuwanaya, Les états qui nous ont dit, c'est le bois Sophia, Abadia, c'est le bois Sophia, Sirena, Yonemana, Monao, Wana, Yawana, Sophia, Wateke, les Avanelo, Ka, manu, mungu ye ufangezo anzao, ushatikiswa tuna sisi anzao. Mungu halitungulia asani, wache ilia, avenuwezi ya hatu, ivenuwa. Hava seka mgrombami mkomoro, tuka tuziswa ikayonda hubi, mbiyadu amba ushini, Mozambiki, jau jau, chambi amba kumoro gaitiswao, kwa sababu ya raisi. Azali, gari kushukuria usi wako mwono. Bahafanya nungo, itukufu, yode mana, rarudira mvoki, omosi wa janvye fusi, ili yatimizi izo ya anisa, ya waswili, warume falki arambia, da emergency ya eko mwono, wana 2030. Awegeze nungo izo pia, gazi jokari halia, shahari mwa amani. Il a dit que c'était un man. Mais il y a des gens qui sont étudiés, 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 Gari kushukuri ya wazali, na utahabu wa kumono, karangu 2002, randisa ubozi, kasinetare hini ya 2026, kanda wosi ufoti desambu, mefensisi me, elahisi ya motewa, arekeze wa amani. Mabiga na mba mbuse nubo hizo, zikae, resiste hini na mna hiyo, ludo voti avulivu, me, elahisi ereka. Bakabana demokrasi bakuzo nenda werekeza mbabi atao soni wanwa yafa ama ngera nisandu gato isandu ama ngeba na rais na mruni nitekeleze nse shukura nse mahaba nse furaha zahatu usi wako mwono koso ni mwaho rwando kakaso ningo ni mwaho hili yeti ya hatu yende usoni na ushukuria uwandu wakangeze banki wasaidia raisi wa msingiza ili yapotewa wanuwaonoka ilazimu watanganyile na unuwananya wa serse wafanye engramu vuma politiki ili ya usutele raisi azali au wasilishe kumoro wanuwa emergency awuko pande wonga nishukuri yao na ushukuri yao wanazijani ikao wajitolea hauhimilia ili wala mwe parti ya serse Ihimi liye hata azali avotewa. Ili wana mweze parti za ziliza. Zonti pia zitanganyili. Awekari mwambia unukaya. Mwasulibu wana. Naninga mdure gazevama. Zonti nekabuwa vete. Nani nujore mwanchi ya vanu. Shana mjuo kaya. Gamjo uamia. Emalingu ya uwaze wahanu. Wambalieni. Hata
mwive mke wa ngorega kwa madafia abange gari mbusi yao ni kere kangwa benze na uoga mbe kangwa benze ekomori yeshi ndo yeshi amani yeshi amishidizano yeshi hawa na uoga mbu o wangu watoka ujamaa uoga kangwa benze zaidi raisi wa hawe mwendo esezi mwaudu neko de aminifu Chofanese Aviva, Yatekenese, Amana, Kuikiwa, Tekenese, Avagay, Ilamu, and Tusham, Suakomorka, Tianza, and Ambujovewa, Naikeziwa, Wasalama, and Kuaka. Kalmalambu Solika, you can't see. وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه أما بعد حضرات السادة أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Excellence Monsieur le Président de la République des Comores Excellences, Messieurs les Présidents des Républiques Sœurs du Congo, de Guinée-Bissau, de Mozambique, d'Angola et de Madagascar, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, qu'il me soit permis au nom du Grand Mufti de commencer mon propos en remerciant le Président de la République pour avoir offert aux Comores une rencontre aussi auguste en invitant dans ce beau pays d'autant de personnalités et autant de sommités. Qu'il me soit ensuite permis de le féliciter pour avoir reçu une consécration à laquelle nous avons été très attentifs tous en se faisant élire à la magistrature suprême de notre pays, l'Union des Comores. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'accompagner dans ses pas pour la conduite et le succès de notre pays. Mesdames et messieurs, nous avons à nous rappeler un certain nombre de nécessités, dont la première est celle de ne jamais oublier que nous constituons une nation, un peuple, un et indivisible. Nous n'avons ni ethnie, ni différence de langue, ni différence de couleur, mais plutôt, comme le dit si bien notre devise, Udzima wa Masiwa, une unité caractérisée par le verset du Coran qui nous dit Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Votre communauté est certes une seule et unique communauté. Je suis votre Seigneur, adorez-moi. Une autre nécessité, mesdames et messieurs, est celle de nous appeler à nous réconcilier. En nous disant que seul celui qui a subi un tort pardonne. Et il est naturel qu'en vivant ensemble, nous nous bousculions
de temps à autre. Un proverbe mondain nous dit « La langue et les dents étant appelées à cohabiter se querellent. » Comme la langue et les dents, nous nous bousculons naturellement, mais comme elles, nous devons nous garder d'oublier que nous sommes obligés de vivre et de construire ensemble. Mesdames et messieurs, honorable assistance, pour le père de la nation, j'ai en ce jour particulier un message particulier qu'un poète arabe appelé Ibn Douaïd en parle, ou plutôt dit en ces termes éloquents. Laïsa ahadun min alsunin nas salima. Nul n'est à l'abri des langues des hommes. Même s'il s'agit du prophète qui est pur et qui n'a pas de défaut. Si tu es vaillant et courageux, ils te diront que tu es idiot. Et si tu es généreux, ils diront que tu es prodigue. Si tu parles peu, ils diront que tu es muet. Et si tu parles, ils te traiteront de pipelette. Si tu jeûnes beaucoup et fais des prières la nuit, ils diront que tu es un matu vu qui ne fait que chercher à intéresser les gens. Ne te préoccupe donc pas de ce que diront les gens, en bien ou en mal. Et ne crains que Dieu, Dieu seul est grand. J'ai également envie de lui rappeler un proverbe qu'il m'a appris jeune de Molière qui dit « Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. » Mesdames et messieurs, pour le peuple comorien, j'ai un message aussi particulier en ce jour particulier. Nous avons, mesdames et messieurs, un pays particulier parce qu'il est un des rares pays qui a inventé une notion qui s'appelle la guerre salivaire. Nous ne savons pas nous tirer dessus les uns sur les autres, mais nous savons discuter oralement d'où cette notion si chère à notre nation et à laquelle nous devons nous tenir. Il est normal que nous divergions. Il est normal que nous discutions parfois. Mais cela ne doit jamais dépasser le niveau de la guerre salivaire, c'est-à-dire l'oralité, une notion dont ce monde bousculé par différentes guerres a tant besoin. Il y a également une autre exigence, cher peuple, qui est que, pour quelque raison que ce soit, le Comorien ne doit être inquiété pour ses opinions. Une autre exigence est celle de savoir que les valeurs que nous avons reçues, si particulières et si chères, autant aux pères de la nation qu'à nos parents, ces valeurs-là nous imposent deux choses, le respect des aînés et la miséricorde que nous avons à accorder aux plus faibles parmi nous. Ce sont les valeurs cardinales qui doivent nous gouverner. Et en ce jour de joie, en ce jour de réconciliation, en ce jour de retrouvailles, en ce jour de communion de la nation comorienne, il était important de les rappeler, car vous qui êtes nos parents, nous avez éduqués dans et avec ces valeurs, et nous espérons que sous la conduite du chef de l'État, du père de la nation, eh bien, aujourd'hui sera un jour dans lequel seront effacées les rancœurs pour que puisse éclater ce que les Comores savent faire de mieux, à savoir partager la paix et vivre en paix.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En cet instant, mesdames et messieurs, nous allons suivre le discours du docteur Bastraful, son excellence, monsieur João Lourenço Gonçalves, président de la République d'Angola, président en exercice de la SALEC. Monsieur le président, je vous invite à la tribune. Ensemble, garde à vous. Le discours de Bastraful, il y a un coup de joie, et qu'on va dire une langue flan. Docteur Bastraful, le discours de Bastraful, c'est-à-dire sens philosophique le balain. Constitui para mim uma grande honra estar hoje em Moroni, capital das Comores, para participar da cerimônia de investidura de Vossa Excelência, no cargo de Presidente da República das Comores, para o qual foram conduzidas eleições realizadas no dia 14 de janeiro de 2021. Tenho a firme convicção que a sua reeleição é o reconhecimento do povo das Comores pela ação empenhada de Vossa Excelência no esforço de transformação do país rumo ao desenvolvimento econômico, progresso social e prosperidade para todos. J'ai la ferme convicção que votre réélection é a reconnaissance do peuple comorien, l'action engagée par votre excellence vers la transformation du pays au développement économique et social et aussi à la prospérité de tous. Sabemos que terá pela frente, uma vez mais, tarefas de elevado grau de complexidade para colocar o vosso país no caminho do desenvolvimento, mas acreditamos que Vossa Excelência, com seu dinamismo e devoção às causas mais nobres dos comorenses, saberá transpor os obstáculos e barreiras que surgirão pela frente. Nous savons aussi que vous ferez une fois de plus des tâches très élevées de complexité à aboutir pour mettre votre pays dans les chemins de développement, mais nous croyons que votre excellence, vous serez avec dynamisme, dévouement à la cause noble de Comorien, transporter faire passer tous les obstacles et les barrières qui pourront surgir devant vous. Excellences, mes Señoras, mes Señores, esta importante cerimônia é também um momento oportuno para realçar o papel que Vossa Excelência desempenhou enquanto Presidente de Exercício da União Africana no ano 2023, no sentido de abordar os grandes temas do nosso continente com o realismo e o pragmatismo necessários à resolução dos principais problemas que a África enfrenta. Excelência, mesdames e messieurs,
cette importante cérémonie et aussi un mot opportun pour qu'on puisse élever le rôle que votre excellence a joué lors de votre présidence en exercice de l'Union africaine. Vous avez levé sur la table le grand thème de notre continent et avec réalisme et pragmatisme, vous avez su amener quelques résolutions aux principaux problèmes que notre continent se défend. Est-ce un regard de orgueil qui va se faire d'orientation pour définir une stratégie qui permet d'assurer os processos de produção mundial, tendendo a pôr fim aos conflitos do nosso continente e assim abrindo caminho ao desenvolvimento econômico e social de nossos países. Esse heritage que nos dona l'orgueil de servir de guia e de orientação para que possa definir de estratégia para acelerar o processo de dialogue, tendant à mettre fin aux conflits qui subsistent encore au continent et ouvrir le chemin vers le développement économique et social de notre pays. Nesta cerimônia estamos esperando uma demonstração de que a única via sustentável e legítima de se conquistar o poder em África é através de eleições livres, justas e transparentes, que dão ao povo a oportunidade de celebrar a festa da democracia com todas as suas reconhecidas virtudes, pois os líderes saídos dessas eleições podem contar com uma base popular ampla e consistente que lhes permite governar com legitimidade num clima de maior serenidade e estabilidade. Excelência, mesdames e messieurs, dans cette cérémonie, nous sommes devant une démonstration que l'unique voie durable et légitime qu'on peut pouvoir arriver au pouvoir en Afrique et à travers des élections libres, justes et transparentes pour donner au peuple l'opportunité d'accélérer ou de participer à cette fête démocratique qui, dans fait tout ce parti, mèneront aux leaders sortis de ces élections à compter avec une base populaire ample et consistante qui pourront permettre de gouverner avec légitimité dans un climat de plus que sérénité et stabilité. A nossa região da SADEC continua a ser um bom exemplo no que diz respeito à realização com regularidade de eleições livres e transparentes, cujos resultados não geram, em regra, contestação violenta que põe em perigo a manutenção da ordem e estabilidade dos países, nem os fundamentos do Estado democrático e de direito. Notre région de la SADEC continue à être un bon élève en ce qui concerne la réalisation régulière des élections libres et transparentes qui n'engagent, qui ne donnent pas de résultats, qui gèrent des contestations violentes, qui permettent en danger le maintien de l'ordre et de la mais uma vez que os resultados venham a ser respeitados por todos os partidos. Perfeito. Depois, eu e o aussi, cette année, des élections générales en Namibie, Botswana, Mozambique, e no Afrique do Sul, onde esperamos que, une fois de plus, le résultat puisse être respecté par toutes les parties. Minhas senhoras, meus senhores, continuamos preocupados com a situação de instabilidade e guerra ainda vigente em alguns dos Estados-membros da SADEC, nomeadamente em Moçambique e na República Democrática do Congo, para quem esperamos o nosso contínuo apoio
Estamos igualmente apreensivos com o conflito armado do Sudão, que tem causado um número crescente de vítimas humanas e grande destruição de importantes infraestruturas económicas do país, assim como o enorme número de deslocados internos e refugiados, desestabilizando os países vizinhos que se veem com dificuldades de acudir à emergência humanitária criada. Nous sommes également préoccupés avec la situation du conflit armé au Soudan qui cause de pertes croissantes en vies humaines et de grandes destructions importantes des pratiques du pays, ainsi comme un grand nombre de déplacés internes et de réfugiés. C'est pour cela nous, qui amène aux pays voisins de grandes difficultés pour venir en aide à ces déplacés au niveau d'urgence humanitaire qui sont en train d'être créés par ces conflits. Compreendemos que as agências humanitárias internacionais priorizam o atendimento a outros conflitos em curso, nomeadamente na Palestina, para que isso sobretudo a situação de grave humanitária encontra as populações civis, mas o povo sudanês merece igual atenção e a guerra no Sudão não pode ser uma guerra esquecida e simplesmente ignorada pela comunidade internacional. Nós compreendemos que as agências humanitárias internacionais priorizam dans l'air content des autres conflits en cours, notamment Palestine, pour venir en aide à la situation grave et catastrophique humanitaire qui ont les populations sur la bande de Gaza, mais le peuple soudanais mérite aussi une attention et la guerre du Soudan ne peut être une guerre simplement oubliée ou ignorée par la communauté internationale. Gostaria de terminar desejando ao Sr. Presidente os maiores êxitos no desempenho das funções do Presidente da República da União das Comoras. Eu poderia terminar meu propos, tout en souhaitant à vous, Excellence, Monsieur le Président, le réussite dans vos nouvelles fonctions de Président de la République de l'Union de Comoras. Viva! Viva as Comoras! Viva a nossa África! Muito obrigado pela atenção. Viva a África! Merci beaucoup pour votre attention. Obrigado, senhor presidente. Tele jumbura to ifari. Bom, Raman dele kaum ngamridunga wo armazeni do za sadana, como dunia nuzu jazabari za komor, sabari za moroni kunia fwan. Toujours un gars armand et investiture comme Nisso banda Raishilia discours président de la République son excellence monsieur Danous Denis Sassou Nguesso pour son allocution. Excellence ensemble garde à vous gardienne na Raishilia discours ya saya ya raisi mengonini ma raisi wala wa armaye madara ya Afrika. Ya bonge rimwambia ni ukana usiku wa leo na insisteo ya investiture banda Isaira Kimishi haki rasmi rais wa daula wa nyumeni banda Mahamit Sanu ya endelea hata mpaka dabasa haridi hansi wangu endelee yote na azali ya sumani ya bonge nyimridunga wa harmaye koma wa dunia nuz lombushiriani khairi.
unono na afya lazima jezi rimike nizo garjodunga diskuria saya kauri mwambia ni mengonini mara ais wala wa harma zidawla mbelna mbal wala dabonge garjodena wishiria ye diskuria ye bangu ifanyu halu hainri shi faransa de shi hao dabonge mwemu ngamjoishi ya zilawana Garomba wa Mungu ze machine zishili ze tene mana zisa zi décharge ha eketo kaya ri coupe shangar juana tarimnike ni ye discours ya rais wa daula azadi asumani kisenge kumyata cher ambari dari wet Monsieur le chef d'État et le gouvernement chef frère, Madame et Monsieur les membres de la Cour suprême, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, C'est avec honneur et humilité que je prends la parole devant le peuple de l'Union des Comores et devant ce prestigieux aréopage de hautes personnalités de notre continent. À l'occasion de cette mémorable cérémonie d'investiture à laquelle vous avez bien voulu nous associer. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement de la République du Congo, en mon nom propre, ainsi qu'au nom de tous les chefs d'État et de gouvernement, ici présent, rendre une fois encore un vibrant hommage au vaillant peuple de l'Union des Comores et à travers lui, à vous-même, Monsieur le Président, mon cher frère, pour votre leadership. Qu'il me soit permis de vous réitérer nos félicitations sincères pour la confiance renouvelée dont le peuple de l'Union des Comores vient de vous honorer. Un peuple qui s'est engagé résolument sur le chemin de la paix, de la concorde, de la cohésion et de la réconciliation grâce aux vertus du dialogue et de tolérance réciproque que vous prenez invariablement. Monsieur le Président, nulle récompense ne pouvait être de mériter pour tant d'engagement hardi au service de votre peuple, pour tant d'intransigeance morale afin d'entrer dans la conscience collective le dessein généreux d'une union des Comores plus fraternelle vivant dans la paix. Les Congolais et leurs frères africains gardent impérissable le souvenir de vos différentes visites dans leur pays, notamment durant votre brillant mandat à notre organisation continentale. Les Congolais
et leurs frères africains se réjouissent de ce que le peuple des Comores vous ait, une fois encore, confié la charge de sa destinée. En vous félicitant par ma voix et en acclamant votre plébiscite, ils expriment leur sentiment de reconnaissance à votre égard pour votre engagement indéfectible pour la promotion des valeurs de démocratie et de liberté. À travers ma voix, ils vous souhaitent courage et persévérance et forment des vœux chaleureux pour le succès de votre mandat et pour la prospérité de votre nation. Monsieur le Président, par nécessité et par raison, l'Union des Comores, votre beau pays, est parvenu à surmonter des entraves multiples et des obstacles innombrables qui jonchaient son chemin pour se forger une âme commune, pour bâtir un destin commun. Ainsi, dans l'unité retrouvée, votre pays a réussi à faire émerger une jeune nation où règne la paix, où il fait bon vivre. Votre pays a entrepris des réformes politiques et économiques courageuses qui contribuent aujourd'hui au redémarrage de l'économie, à l'appropriation progressive des technologies de l'information, à la consolidation de l'état de droit, à son intégration sous-régionale et à son insertion dans le jeu concurrentiel du marché global. Il a montré au monde qu'avec détermination et persévérance, il est possible de transformer les défis en opportunités. Au cours de vos précédents mandats, votre peuple a su ajuster ses ambitions aux impératifs du temps présent. Libéralisation de l'économie nationale, amélioration des conditions d'accueil de l'investissement étranger, gestion plus économe des ressources publiques, rétablissement des équilibres macroéconomiques, etc. C'est tout un faisceau d'initiatives de grande portée qui caractérise aujourd'hui votre pays. Une évolution souvent occultée par des médias étrangers plutôt enclins à privilégier le récit des tragédies humaines et des drames existentiels dont l'Afrique n'a pourtant pas de monopole. Bien sûr, comme sur le reste du continent, de nombreux défis restent à relever. Ces défis sont presque partout les mêmes. En le disant, je pense notamment à la construction des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, fluviales et énergétiques,
nécessaires au développement des échanges, à l'industrialisation de l'économie, à la modernisation de l'agriculture, à l'éclosion du tourisme et des loisirs, et à bien d'autres secteurs d'activité devront contribuer à forger cette puissance économique qui fera demain de l'Afrique l'une des puissances qui gouverne notre monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'adresse à vous, le contexte international reste très tendu. Le langage des armes a toujours le dessus sur la raison. La guerre est de retour en Europe, avec des conséquences dramatiques sur l'ensemble des économies du monde. Elle met en péril la sécurité alimentaire de nombreux pays, alors que les effets néfastes de la pandémie de COVID-19 ne s'étaient encore pas totalement estompés, sans parler de ces catastrophes naturelles qui se multiplient sous nos yeux sur tous les continents, et qui ont souvent un lien direct avec des changements climatiques. Face à la guerre, l'Afrique a essayé de jouer sa partition dans la recherche d'une solution négociée. La médiation africaine que vous avez vous-même conduite avec courage et détermination, et dont certains de nos pays ont fait partie, témoigne de notre volonté de ne pas laisser le monde se détruire, car nous n'avons pas de planète alternative. Pour nous, la paix n'est pas une option. Elle est une nécessité absolue. Cette considération m'amène à évoquer devant cette auguste assemblée les efforts persévérants déployés par notre organisation continentale depuis des années pour le retour de la paix en Libye, pour un règlement pacifique durable de la crise dans ce pays frère. En ma qualité de président de comité et au niveau de l'Union africaine, je puis vous dire ici combien il n'a pas été facile de prêcher la réconciliation et le pardon dans ce pays déchiré par la guerre civile depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, après bien des efforts de persuasion, on peut enfin entrevoir la tenue de cette conférence de réconciliation que tous, ou presque, considèrent à juste raison comme un facteur d'apaisement général indispensable aux élections présidentielles et législatives tant attendues. S'agissant de la menace climatique, la protection de l'environnement constitue aujourd'hui une urgence absolue. Dans ce cadre, la République du Congo organisera du 2
5 juillet 2024 à Brazzaville, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement en lien avec la lutte contre le changement climatique, qui est notre priorité commune. À ce sujet, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, je vous renouvelle l'invitation à honorer de votre présence le sommet de Brazzaville. Monsieur le Président et chers frères, permettez-moi de vous réitérer nos félicitations et nos voeux les plus chaleureux à l'occasion de cette cérémonie solennelle. Puisse votre mandat être couronné de succès et de réalisation dans tous les domaines et qui marqueront positivement l'histoire de ces belles îles qui constituent l'Union des Comores. Que votre vision et votre leadership continuent d'inspirer le peuple des Comores et de guider votre nation vers la prospérité et la félicité. Enfin, que le peuple frère des Comores trouve ici toute votre reconnaissance pour l'accueil combien chaleureux et les marques d'attention dont nous sommes l'objet. Vive l'Union des Comores, vive la solidarité africaine, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. À présent, Mesdames et Messieurs, nous allons assister.